Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Final Fantasy X HD Remaster. Donc on se retrouve dans les ruines d'Omega. Donc on va faire la deuxième partie où se trouve le vrai boss. Alors dans le bouquin j'ai pas beaucoup d'infos donc je sais pas si je vais galérer. On va tester, on verra ce que ça donne. Ouais. Apparemment il y a un monstre par plateforme. Wow, ça commence bien. Heureusement, Auron est là. Mais purée, j'ai mis Yuna dans l'équipe. Mais qu'est-ce que je suis naze. Et je fais comment maintenant pour invoquer mes chimères? Oh putain. Je me suis un peu précipité. Donc lui, il a défense fossile et folie. Donc, ça peut-être nous aider. À part ça, je vois pas trop ce qu'on peut faire. On peut se barrer et recommencer le combat ou pas? Oui. Excusez-moi. On recommence. On n'est pas... Attendez, hop. On n'est pas repoussé en arrière. C'est bizarre. Formation. Yuna, tu t'en vas, merci. Puis je vais remettre le God Hand à Riku. Hop, voilà. Mais je veux l'affronter le Morbol, là. Je vais même essayer de le capturer. Ah mais c'est mort? Ah d'accord. Je pensais qu'il fallait vraiment vaincre tous les monstres. Donc apparemment on peut se contenter de fuir. Tiens bah... Un adamant clone ou je sais pas quoi. C'est pas bien costaud ça. Hop. Ah j'aurais dû faire trépane. Séisme. Ouais. C'est un peu faiblard hein. Est-ce que j'essaie de le capturer? Peut-être. Non, quoique, je crois que j'ai les 10 modèles, on va dire. Hop. Ah oui, alors j'ai beaucoup joué en off entre les deux épisodes, là. J'ai dû jouer peut-être 6-7 heures. J'ai farmé, j'ai chassé beaucoup de monstres, j'ai quasiment tous les monstres. Il m'en manquait quelques-uns sur les ruines d'Omega. Et au niveau de Sin, bien entendu, parce que bah, j'y suis pas encore allé. Forcément, et il manque... Si, il me manque deux tomberies dans la grotte du prix envolé. C'est à peu près tout. Ouais. Et tout le reste, bah j'ai chaque monstre en 10 exemplaires, quoi. Bon, bah on va partir de l'autre côté. Parce qu'apparemment, là, c'était juste pour récupérer une sphère. Alors, je vérifie la config... Ouais. Ils sont ridicules ces monstres maintenant, ils me font pas peur. Yuna. Viens les one shot. Magie blanche. Sidéral. Alors par contre par rapport aux sphériers, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sphères magie par rapport aux sphères physiques. Elle a quand même réussi à faire 9999. Mais je veux dire, par exemple, Waka a plus de force que de magie... Enfin, Waka a plus de force par rapport à ce que Yuna a en magie. C'est ça que je veux dire, voilà. Quand on met les mots dans l'ordre, ça veut dire quelque chose. Ah. 89 000. Elle plaisante plus, mes magiciennes. Hop. Sphère clé niveau 3. Tac, on se remet avec Auron au début. Waka. Si on regarde l'état par exemple, pour revenir sur ce que je disais, il a 170 de force. Et en magie, elle a seulement 130. Alors qu'elle a quasiment activé toutes les cases quoi. Donc il y en a quand même un peu moins. Encore un adamant colombe. Ah, je suis déçu de ne pas avoir géré le morbol. D'ailleurs, bizarrement, le morbol... Alors, soit on peut pas en capturer, mais je m'en souviens pas. Mais il apparaît pas dans ma liste de monstres des ruines d'Omega. Alors, à moins qu'il apparaisse chez Sin, je vois pas où il est listé. Mais bon, ça, je verrai un peu plus tard, du coup.
Bon, pour l'instant, rien de bien méchant. Ah, oui, il m'en manque deux, je crois. Alors, on va peut-être remettre l'arme de capture à Waka. Tu vas pas le one-shot? Non. Toi, par contre, tu pourrais le one-shot. Arme. Capture. Le tue pas. Oh putain, trop fort. Putain, 56 000 en un coup, là. Bon. Il va falloir y aller mollo si je veux les capturer. Waka waka. Équipement. Je te remets. Hop. Allez, on continue. Et apparemment, il n'y a pas de point de sauvegarde, c'est un peu. Un peu dommage ça. On peut mettre un point de sauvegarde avant un boss. Encore ? Bah, comme tout à l'heure, hein, Yuna. Bah, d'ailleurs, je me suis fait plein de monstres. De l'arène de monstres. J'arrive à bien gérer maintenant. Il y en a quelques-uns qui sont vachement balèzes. Je les ai pas encore tous vaincus. Mais par exemple, j'ai récupéré l'œil. Qui permet de récupérer des armes avec PC x3. Donc j'en ai pour tout le monde sauf pour Riku. Donc il va falloir encore que je continue à m'entraîner. Et d'ailleurs du coup j'ai plus de 50 sphères esprit maintenant, parce que je crois que c'est ce qu'il donne. J'ai aussi quelques sphères, je sais plus ce que c'est, esquive, données par le piaf. Je me rappelle plus. Tac. Je sais pas si je prends le temps d'améliorer les persos avant le combat. Yuna, tu t'en vas, merci. Alors c'est laquelle la dernière plateforme? Je sais même pas en fait. Je prends le temps d'améliorer mes persos, ça coûte pas grand chose. Tac. Donc lui il est parti pour apprendre Auréole. Bah voilà, ici j'ai mis plein de sphères esprit du coup. Donc ça c'est pas mal, ça permet de bien les améliorer. Esprit. Et puis c'est bien, il y en a beaucoup qui connaissent Vi maintenant ou Ezuna. Ça, ça va être assez pratique. Alors lui, par contre, je sais plus trop où je l'ai emmené. Je crois que c'était un peu au hasard. Parce que par là, ça le ramène. C'est à qui ça? À Riku? Ouais. Bon, bah on est parti sur les traces de Riku, alors, avec lui. Tac. Utiliser un peu plus d'esprit. Chapardé. Bah, en théorie, c'est lui qui a le plus d'esprit, maintenant. Waka. 95. Ah non, même pas. T'as pourtant, il en a activé des sphères, hein, que j'ai rajouté moi-même. Justement, il doit être tellement faible à la base en esprit. Bah, comme lui, 45. Bref, j'ai pas fini d'améliorer mes persos, moi. Je suis parti sur autre chose, hop. Alors, reviens ici. Hop. Rapidité plus 1, ouais. Pas terrible. Alors c'est quoi, c'est des sphères chance? Oui, mais je trouve pas de sphères étoiles, je sais pas où on les trouve. Je me suis pas renseigné, mais... J'en ai pas trouvé depuis très très longtemps. Elle est stagne depuis super longtemps. Faudrait que je la fasse participer. Toi... Je vais peut-être mettre deux sphères ici. Ce cas, c'est que je sais pas trop comment faut les mettre pour que ce soit... bien équilibré pour arriver à 255 pour toutes les caractéristiques. J'ai pas étudié la question, donc je fais un peu ça au pif. De toute façon, c'est assez facile à récupérer. Utiliser. Hop. Plus 8 en esquive, ça lui fera pas de mal. Déplacer. Tac. De toute façon, une fois qu'ils auront tous parcouru l'intégralité du sphérié, ils pourront se déplacer beaucoup plus vite.
Donc après c'est pas vraiment un souci. Si y en a certains qui ont sauté des cases que j'ai posées après. Ouais, je vais peut-être lui mettre un peu d'esprit quand même. Utiliser. Hop. Et d'ailleurs, ben la dernière. Le dernier boss là qu'il y a. Ah c'est pas lui, j'ai cru que c'était lui. Il a la dernière attaque de Kimari. Oula, ils sont deux. Hey. Ah, je l'ai pas one shot. Attends, mais je les ai tous capturés, j'ai un doute. Attendez, je l'avais noté quelque part. Les monstres qui me restaient à capturer. Omega, Garuna, élément noir, Métis. Non, apparemment je les ai tous. Est-ce que j'essaie de voler le coffre? Ouais. Sauf que là, je risque de le one shot le fantôme. Un ricou. Tac, technique volée. Ah, c'était un vrai coffre. Quoique, on va peut-être faire participer un peu les autres. Kimari. Hop là. Donc c'est pareil, Kimari commence à être assez puissant. Hop, formation. Waka, tu reviens. Kimari, tu t'en vas. Hop, on continue. Bon, j'espère que le combat va être quasiment aussi simple. Ah, c'est la dernière. Non, ça continue. Ça continue, j'ai rien dit. Oh, ils sont super simples aussi. Hop, je vais pas faire durer le combat. Allez, loulou. Je crois qu'elle a un peu de retard, elle, au niveau de l'expérience, parce que je l'ai très peu utilisée là pendant ma session de farm intensif. Donc je pense qu'elle a pris beaucoup de retard sur les autres. Puis en plus, elle a même pas PC x2 sur son arme. Contrairement à la majorité. Je sais même pas, un seul serait suffi, peut-être. Non, ouais. Je crois qu'ils sont dans les 45 000, je sais plus. Je dis, ouais, je sais plus. Enfin bref, deux ultimas, ça suffit, ça les dégomme. Bon, bah pour l'instant, c'est assez simple. Hein. Cercle niveau 2. Formation. Euron, tu reviens. Et on est reparti. Est-ce que ça va être là la dernière? J'ai pas l'impression. Putain, mais il y en a combien là, des trucs? Hop, Waka, si tu veux one shot le deuxième. Il est trop puissant Waka maintenant. Incroyable. Pourtant j'ai réessayé une chimère purgatrice juste pour voir. Je me suis fait déchirer donc... C'est dingue quand même de voir que on se croit puissant, enfin ouais. Par rapport au déroulement normal, on est surpuissant, mais tout ce qui est annexe, hein, ils ont vraiment abusé, quoi. Oula. Ça sent pas bon, ça. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des pires Final Fantasy, hein, en termes de... préparation nécessaire, quoi. De mémoire, même le 7, j'avais réussi à avoir toutes les matérias... comment ça s'appelait? Ah! Les méga matérias. Enfin, je les avais toutes en double. Donc je les avais déjà récupérés une première fois tout au long de l'aventure. Et pour obtenir un nouveau modèle, il fallait passer toutes les matérias au niveau maître. Donc ça, j'avais réussi à le faire. Ça m'avait pas paru aussi long que ça, là. Enfin bref. Hop là. Parce que là, je suis à plus de 90 heures de jeu, je crois. Donc mine de rien, ça commence à faire. Toi, tu vas aller apprendre sorcellerie. Tac. Hop. Tac. Est-ce que je te mets une sphère, toi? Allez hop, t'en mets une. Même deux. De toute façon, je la récupère super facilement. Le monstre, je le tue en même pas trois attaques. Donc en général, sauf quand c'est une attaque surprise, il a même pas le temps d'attaquer.
Ah, il manque Kimari, pardon. Oh, pauvre Kimari. Hop. Bon, ben, c'est parti. It seems we rate his personal attention now. J'ai même pas vérifié s'il y avait bien Auron dans l'équipe. Je pense que oui. Je pense pas qu'il nous agresse directement avec une attaque surprise. Et j'ai oublié de changer les overdrive. Oh là là. Bon. Ce qu'on va faire... On va peut-être pas attaquer tout de suite. J'ai quand même feuilleté le bouquin, il conseille de privilégier la défense d'abord. On a même eu la booster X. Tout est mélangé maintenant. Hop. Tout le monde a plein de capacités. Il a peut-être pas les carapaces et compagnie, lui. Booster... Auréole, tiens, il a. Bah écoute. Je crois que c'est même le seul qu'il a. Je voudrais pas dire de bêtises, mais... magie blanche. C'est bien, on a plus besoin des magiciennes, quasiment. Carapaces, elles sont là. Hop. Je vais peut-être faire gerter Auron, quand même. Magie blanche, auréole. Je pense que je vais mettre Yuna au milieu. Parce que je crois qu'il a des choses intéressantes à voler, je sais plus ce que c'est. Hop, toi tu t'en vas. Ah, elle a pas les 9999. Voler. Lueur d'espoir. Ouais. Je crois que c'est pas GG. Booster. Ah, j'aurais mieux fait de lancer Auréole. Bon, c'est pas grave. Magie blanche. Carapace. On va voir comment il attaque déjà. Nucléosphère. D'accord. C'est vraiment pas impressionnant du tout. Magie blanche. De toute façon, ouais. Récup, ça peut servir aussi. Hop. Waka. On va peut-être commencer à attaquer quand même. Ou pas, je vais essayer Trépan, mais je crois qu'il est immunisé à tout de toute façon. Je vais lancer une attaque normale, voir ce qu'il subit déjà comme dégâts. Ah bon, déjà, il prend cher, c'est cool ça. Alors, ce que tu vas faire... Kimari. Ah, il a déjà son overdrive. Ah, j'aurais mieux fait de faire partir Waka. Et de lancer Mother. Bon, je lance Mother quand même, il y en a deux qui sont pas protégés là. Magie blanche. Auréole, je sais même pas s'il a Ryuken lui ou Aspire. Si, il doit avoir Aspire. Pour récupérer des MP. Je crois qu'il est... Ah oui, ça je me rappelle, il est immunisé à tout. Sauf à Atomium. Et elle, je lui ai pas lancé... Ah ben, je lui ai pas lancé Booster. Tu vas quand même rester en place, on va lancer un double atomium, voir ce que ça donne. Ah non, attendez, j'ai oublié. Spécialement. C'est quoi, c'est dans technique? Les pré... Ouais, concentré, sorcellerie, non. Vigilance. Je sais pas s'il fait des attaques physiques, mais bon. Hop. Ça fait un petit coup de pouce. Mégalithe. C'est du fossile? Allez, on passe à l'offensif quand même. J'oublie à chaque fois, Trépan. Non, c'est dans spéciaux. Trépan. Garde, bon, c'est pas grave. Je crois que tu vas rester là vu que t'es protégé. Non, quoique. Lui aussi, il a défense fossile plus. Et il fera plus de dégâts, je pense. Tac. On va lancer éradication.
Par contre, ne meurs pas, s'il te plaît, il faudrait que Kimari lance son Ryoken. Et puis, il faut que je fasse revenir ceux qui ont Auréole aussi. Je leur mets Auréole, mais je les fais partir. C'est une logique, ça. Allez. Ouais. Magie blanche, écoute, continue. Auréole sur Auron, tiens. Alors, Kimari, tu vas lancer ton Ryuken, si je le trouve. Donc, je crois que c'est pour Nova ou je sais pas quoi. Non, éruption solaire. Et donc, normalement, j'ai un trophée là. Non ? Ils veulent pas me le donner ? Si. Premier de la classe, ok. Alors ça, quand je parle pas, j'arrive à avoir les deux à chaque fois. Mais j'y arrive maintenant, j'ai pu m'entraîner justement. Contre les monstres de l'arène. Ça permet de faire un max de dégâts. Ça n'a pas suffi. Lumina Diluvium. Émule attaque. On va tester hein, son éruption solaire, voir ce que ça donne. J'espère au moins que c'est vraiment ultra puissant. Ouais, bof. En tout cas, c'est stylé, mais c'est pas spécialement puissant. Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort? Déjà? Bon, je pensais que ça allait beaucoup plus compliqué que ça, donc j'aurais su que je me serais moins préparé. J'aurais pu torcher le combat beaucoup plus vite, mais bon. J'ai voulu prendre mes précautions. Ouais, mais j'ai subi quasiment rien. Find your peace on the far plane. Leave Spira to the living. Qui n'a pas participé? Loulou, voilà, je l'ai encore mis de côté. Sphère clé niveau 4 et bague mythique. Attendez, bague mythique. Me dites pas qu'il y a HP extra ou un truc comme ça dessus. Hein. Parce que j'ai déjà commencé à la faire. Putain. Alors j'ai HP extra qu'avec un perso et elle l'a deux fois. C'est n'importe quoi. Bon, par contre, il n'y a que 3 cases en tout, donc c'est pas extraordinaire. Mais alors, je sais pas si le loot est plus ou moins aléatoire et il peut y avoir 4 cases. Parce que je sais par exemple que pour l'arme qui a PC x3, il y a des versions avec seulement 2 cases et d'autres versions avec 3 cases. Donc, je sais pas si c'est la même chose pour ça. Donc, je sais pas si ça vaut le coup de tous retaper. Tiens, si je te mets ça, non, elle perd des HP, ok. Bon, par précaution, je vais sauvegarder ailleurs. Ce serait dommage de passer à côté d'un accessoire avec HP extra. Hop. Je sais même plus ce qu'il faut. Porte de l'inconnu x30, je crois. Bon, bah c'est fait. Ultima Arma. Je crois que c'est son nom. Par contre, je sais qu'il y a une sphère magie juste derrière, je vais aller la récupérer. Je vais y aller avec la sécurité. Hop, je vais vous couper le trajet quand même. Donc c'est parti, on va la chercher. Question, c'est quoi ces monstres? Je les connais pas moi. Wow, 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 ça sent l'arnaque. Remets ton arme ultime, toi. Je sais pas ce que c'est que ces trucs. J'avais pas prévu de tomber sur des monstres inédits. C'est pareil, toi t'as une arme de crotte. Remets ton arme normale. Hop.
Alors je sais même pas si ça se capture. En tout cas, c'est relativement faible apparemment. Là, il ne va pas le tuer alors. Je vais essayer de le capturer. Je vais lancer un Glacier X. Ouais. Atomium, ça pourrait le one-shot. D'accord, bon. Mauvaise idée, allez, on va faire une attaque normale. Non, ça le tue, d'accord. Ah, je l'ai... Merde, j'ai foiré mon truc. Est-ce que ça se capture? Je ne sais pas. Et je sais pas d'où sortent ces monstres, je les ai pas vus une seule fois, pourtant j'ai farmé longtemps dans les... dans les ruines d'Omega, mais bon. Enfin bref, je continue ma route. Bon, bah nous voici arrivés là où il y avait le boss. Tout ça pour récupérer un coffre. Sphère magie. C'est tout? Ils ont pas caché autre chose? Bon, d'accord, c'est super. Et ben, c'est reparti dans l'autre sens. Hein. Tiens, ben l'autre jour en farmant, j'avais activé ce symbole. Je sais pas trop à quoi ça sert, je l'avais pas retouché après. Est-ce que ça fait quelque chose? Ah non, il avait disparu en fait, ok. Donc le sceau est réapparu. Alors je vais essayer d'aller toucher le mur qui est un petit peu plus loin. Il me semble que c'est la même chose. Ouais, parce qu'après avoir touché le mur, j'avais quitté la zone. Donc je pensais que c'était resté actif, mais apparemment non. Et normalement, l'autre truc doit être par ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Et... Et ça fait un pont, d'accord. Un pont pourquoi? Ah, c'est juste un raccourci en fait. Ah. Je pensais que c'était pour accéder à un coffre. Je crois que c'est juste pour aller plus vite au fond de la caverne. Ah non, il y a un coffre. J'ai rien dit. Sphère succession. D'accord. Toute cette mise en scène juste pour une sphère. Et B. Ah, moi je pensais que c'était un raccourci qui allait rejoindre de l'autre côté en fait. Alors en théorie j'ai fait le tour des impasses, j'ai dû récupérer tous les coffres, si je dis pas de bêtises. Je crois bien, hein. Ouais. Bon. Et ben, je vais m'arrêter là pour cet épisode, alors ça va peut-être faire un épisode un peu court après avoir coupé tout ce qui est pas intéressant. Mais bon, moi ça fait déjà plus d'une heure que je joue. Je vais m'arrêter là, donc je vous dis ben merci d'avoir regardé, et à la prochaine pour la suite. Salut!